Je tenais d'abord à féliciter mes joueurs parce que franchement, ils ont fait un match ce soir où ça a été très costaud dans beaucoup de compartiments du jeu, même au niveau athlétique, au niveau des courses. Donc voilà, il fallait faire un gros match contre eux pour pouvoir prétendre essayer au moins de gagner. Je pense qu'on a essayé de le gagner ce match, on a essayé d'aller de l'avant, on a essayé de mettre des choses en place et on est tombé sur un bon gardien. Voilà, il a fait des arrêts qu'il fallait, ou alors peut-être nous, un peu en étant exigeants, un peu moins d'application devant le but. Mais dans l'ensemble, je suis quand même très heureux de ce que j'ai vu ce soir, notamment dans le contenu, parce que c'était peut-être un peu moins bien depuis notamment le match d'Auxerre et puis le match de Pau. Et puis là, on a retrouvé une grosse assise technique. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est plus facile à jouer au football. Oui, c'était un peu le même chose qu'à Clermont, où pendant 10 minutes on avait fait une bonne entame et puis derrière on avait pris un but, et puis après un second, il fallait rester au moins 1-0, essayer de mettre encore notre jeu en place et puis essayer de marquer. Après, on a su marquer vite en seconde mi-temps. Je pensais que on allait pouvoir même gagner ce match. Ça aurait pu se faire puisqu'on a eu beaucoup d'occasions. Mais après, voilà, on est tombé sur une belle équipe quand même de Toulouse qui mérite aussi d'être à ce classement. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est le contenu de mes matchs, c'est le contenu de la progression des joueurs. C'est pas particulièrement. Bon, bien sûr, les résultats pour un entraîneur sont importants, bien sûr, pour un club, c'est important. Mais je ne me suis pas focalisé sur le fait de me dire qu'on allait gagner ou perdre. Bon, bien sûr, on a envie tout le temps de gagner. Mais non, je crois que ce qui est important ce soir, c'est qu'on surfe plus ou moins sur la deuxième mi-temps qu'on avait faite à Clermont. Et je pense que sur tout un match, on a su le faire. Après, voilà, on est toujours malgré tout un peu déçu parce qu'on n'a pas pris les 3 points. Avec les résultats de hier soir, je pense qu'aucune des deux équipes avait quelque chose à perdre. Il fallait jouer notre jeu. Je pense que Toulouse l'a fait, nous on l'a fait. Après, c'est resté sur un match nul, mais ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Après, ils ont une très très belle occasion quand même. C'est presque un miracle en deuxième mi-temps qu'ils ne marquent pas. Mais on connaissait, et vous connaissez très bien la qualité d'Adli qui a fait deux différences et qui aurait pu faire gagner l'équipe de Toulouse.